laisse mon cœur s'ouvrir. La lune te comprendra. Un vrai temps c'est plus du bon. Revoir la belle histoire. Sans avoir peur du temps qui passe. La hauteur. Jérémy Frérot a démarré en force sa première tournée en solo ce samedi au Théâtre Olympia d'Arcachon. Plus de 900 personnes sont venues écouter et chanter avec le jeune artiste Gujanet les nouvelles chansons de son dernier album Matrioshka. Les premiers fans du duo Frérot de la Vega se sont montrés enthousiastes et comblés face à l'énergie de Jérémy Frérot sans son binôme. Un démarrage plus que réussi pour le chanteur de 28 ans qui se produira la semaine prochaine à Beaulieu-sur-Mer. Je le suivais déjà quand c'était les Frérot de la Vega, j'aimais beaucoup et j'ai bien aimé son dernier album, donc j'ai décidé de venir voir en concert. J'écoutais de temps en temps les Frérot de la Vega, je suis pas voilà, mais je voulais voir ce que ça donnait tout seul. J'ai pas écouté l'album, je voulais découvrir aussi. Et c'était mon cadeau d'anniversaire, donc voilà. Ce soir, on va voir Jérémy Frérot parce qu'on le suit, on le suit depuis les Frérot de la Vega et puis du coup. On a écouté l'album, qui est très prometteur, et on avait envie de voir sur scène son retour, qui nous avait manqué. Voilà. Le style musical a beaucoup changé, j'étais assez étonné, mais en réécoutant l'album, j'ai plus apprécié la deuxième écoute que la première écoute. Et c'est un autre univers, et franchement, ça lui va super bien, en tout cas. Donc je vous conseille l'album, si vous ne l'avez pas acheté. On vient le voir parce qu'on était, déjà on le suit depuis le début, puis on a été au dernier concert des Frérot de la Vega, et donc on fait le premier de Jérémy Frérot, et en plus chez nous. On a à découvrir, ça mérite d'être découvert. Et rendre fortune à nos